Arbitre qui donne le coup d'envoi de ce match de groupe d'Europa League. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Saliba. Un ballon perdu pour Arsenal. Ouais, le centre peut-être. Piqué dans l'axe. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Et si vous demandiez ce que les supporters pensent de cette décision, bah maintenant vous le savez. Ouais, c'est joué par-dessus. Ouais, dégagé ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Granit Xhaka. Kolasinac. Donne en retrait. Frappe contrée. Les joueurs d'Arsenal sont les grandissimes favoris aujourd'hui. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Attention, il peut centrer là. Oh là 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 là, ça se joue à rien. Ça se joue à rien, ce ballon. Cette occasion ratée. Ouais, à quelques centimètres près, Hervé, clairement. Mais à cette distance, on peut se dire qu'il n'a pas forcément fait le bon choix. Ouais, je pense que l'arbitre a hésité là pendant assez longtemps. Hein. Ouais, finalement, c'est un jaune. Le ballon par-dessus. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Et contre ce ballon, le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. La petite passe en cloche. Belle passe en profondeur. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, ça passe à côté de justesse. Dani Ceballos. Ça circule bien, vraiment, dans cette équipe d'Arsenal aujourd'hui. Il est en train de remonter le terrain. Oh oui, attention. Et le but. Le premier but du match. Arsenal qui prend la tête au score. Paris Nelson. Dani. Voilà, c'est reparti dans cette rencontre de groupe d'Europa League. On écarte le jeu. Ouais, c'est dévié, le ballon qui sort. L'action qui se poursuit. Le centre vers ses coéquipiers. Oui, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Les Gunners à l'attaque. Allez, par-dessus. Ah, c'était mis en position, mais il envoie ce ballon en sortie de but. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Le centre, il a vu ses coéquipiers. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. Verstraat. Nous suivrons donc une nouvelle journée de championnat anglais avec cette rencontre. Arsenal accueillera Everton à domicile. Ah, il aurait dû retarder son appel. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Ouais, bien joué par-dessus. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Xhaka. Il faut trouver une ouverture.
Un ballon perdu pour Arsenal. C'est donné sur l'aile. Centre peut-être dans l'axe. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Allez, dans le couloir. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, ça c'est très bien défendu. Ouais, touche, le ballon a été dévié. Il va y avoir un remplacement. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. 2-0, alors que les minutes filent, on est plus loin de la fin maintenant. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être, Pierre, le prochain? Ouais, il perfore la défense. Et le but des Gunners. Les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par-dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde. Et après la frappée magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Verstraat. Il avance balle au pied. Ah, bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Il a piqué son ballon. Bonne interception. Ouais, signalé hors-jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand-chose. Oui, le joueur est bel et bien hors-jeu. De peu, mais hors-jeu. Voilà l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Et Arsenal va donc empocher les 3 points. Oui, rien à dire. On a vu une équipe largement supérieure à l'autre aujourd'hui. Et dans tous les compartiments de jeu, on voit des mecs qui jouent comme s'ils